j'espère tout d'abord que vous avez la forme aujourd'hui, 31 décembre 2022. Cette année est terminée, on va pouvoir entamer l'année 2023. J'espère que vous avez préparé vos nouveaux projets, vos nouvelles séances d'entraînement. Bref, n'attendez plus. Niveau actualité, pour résumer ces deux dernières années d'entraînement, c'est la participation à mon premier Ironman, celui de Nice, mais également la participation à mon premier marathon, Valencia. Vous pouvez retrouver l'ensemble de mes vidéos disponibles sur la chaîne, mes réactions post-race, mais également pas mal de tips pour votre première participation. Je vous laisse tout de suite avec cette vidéo qui englobe deux entraînements, une séance de renforcement musculaire et une séance de côtes, ça va piquer. J'ai eu la chance de retrouver un de mes partenaires d'entraînement, Cyril Benzaken, sextuple champion du monde de kickboxing, le temps passe très très vite, mais il n'est pas venu seul. Ça aurait été trop facile, il est venu avec un autre champion, Michael, alias Magnum sur Instagram. Je vous mettrai tous les liens en description et bon visionnage. On va voir si j'y arrive. Ah, on est pas mal là. Bon allez, c'est parti pour la séance avec le pré-workout. Oh là là, il faut faire focus sur moi. Eh, c'est bon. Demain en plus on a une petite séance de côte avec Cyril Benzaken, c'est un boxeur professionnel, sextuple champion du monde de kickboxing. On va vous filmer ça et c'est parti. Vous êtes arrivé par là, c'est ça? C'est ça. Là, il y a l'échauffement et là, il y a le travail. Mais en fait, tu sais que je suis déjà venu, je t'avais raconté quand je faisais de l'athlète. Ah, je suis venu une fois ici faire une séance de côte là. Bah, je t'ai dit, on a fait la montée, au moins on sait ce qui nous attend. Comme je lui disais, tu vois le départ, 20 secondes, ça va finir là. 30 secondes, ça sera sûrement là-haut. C'est et 3 les 40, fois 20, c'est ça. 3 fois 20, 3 fois 30, 3 fois 40. Bon, on a fait déjà les 3 fois 20 secondes, il reste 3 fois 30 secondes, 3 fois 40 et c'est fini. Ils ont l'air de tenir, on va voir ce que ça donne. Ça va? Ouais.
mission accomplie. Les machines, c'est là-haut. Il a accéléré, il a caché son jeu. Ouais, c'était le dernier, DJ. On croit qu'il est fatigué. Dès que tu baisses ta garde, boum, ça part. Prochaine, j'arrive. Gars. Franchement, fatigant, mais ça fait du bien au niveau des poumons. Un peu qui brûle, mais franchement, là au moins je sais où j'en suis à cette période de l'année. Moi, j'ai senti un bon mur lactique là au niveau des fessiers qui me bloquait vers ici. Là, sur les on l'a vu, hein, t'as déposé à la fin. Ouais, mais sur chaque fois, par ici, pas. Oh, mais ils ont été solides les garçons. Je mettrai leur Insta directement dans la description. Vous préparez quelque chose pour l'année prochaine ou pas? Plein d'événements. Ok. Pour l'instant, on essaie de garder ça. Enfin, moi, pour ma part, j'essaie de garder ça pour moi. Ok, il faut. Après, on verra. On se prépare pour. Ok. Cyril, pareil? Ouais, exactement. On se retrouve très vite en 2023. On enverra toutes les infos dès début janvier. Je vous invite à suivre ces deux costauds de la boxe. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao les gars.